passer par les points d'information. Il y a deux points d'information qui concernent les visites que nous avons eues à l'Agence congolaise du presse. D'abord, la visite des agents du ministère des Finances qui sont venus ici pour discuter avec l'Agence congolaise des presse du point lié à la réédition des comptes. Parce qu'ici, à l'ACP, quand on voit les agents de l'État venir, oh voilà, les DG là, il a volé. Il a fait ceci, maintenant les agents de finances vont le mettre à nous. Mais je vous dis que ça n'en est pas ça. La reddition des comptes, c'est tout simplement qu'ils viennent voir si il y a eu l'argent de l'État qui est versé à l'agence congolaise de presse et comment cet argent-là a été utilisé. Et les amis de l'édition de comptes, quand ils sont arrivés, nous leur avons posé la première question. C'était celle de savoir s'ils ont lu dans leur pipeline combien d'argent avait été versé à l'agence congolaise de presse. Ils n'avaient aucune idée, parce que pour eux, il n'y avait pas même un franc qui était versé à l'agence congolaise de presse. C'est nous qui les avons dit, non, vous vous trompez. Il y a eu l'argent qui avait été versé à l'agence congolaise de presse via le ministère de la communication et médias. C'est l'argent destiné à la publication des résultats de l'examen d'État. Mais ils n'avaient pas ça dans leur pipeline. C'est nous qui les avions expliqué. Et nous avons mis à contribution notre comptabilité, donc notre secteur de finances pour donner des investissements quant à l'utilisation de cet argent. Parce qu'il y a eu une commission qui avait été instituée en avant de cela pour pouvoir gérer cet argent là-bas. Et les amis du ministère de la les finances sont rentrées édifiées. Le conseil d'administration vous avait chargé d'une mission de pouvoir mettre en place un planning de formation en cours d'emploi des agents et cadres de la CPI. Et cette formation-là s'est justifiée dans la mesure où nous avons pu constater certaines défaillances, certains dysfonctionnements dans certains de vos départements, dû justement au manque de formation.